Sophie Davant profite actuellement d'une pause estivale aux côtés des siens. Et si sa fille Valentine Slade, qui lui ressemble tant, est devenue journaliste culinaire à 26 ans, cela permet à sa mère de faire le tour des bonnes tables même en vacances. Après avoir été du côté de la région Aquitaine, où elles ont posé leurs valises un moment sur le bassin d'Arcachon, mère et fille se sont rendues en Provence et en ont profité pour passer chez le talentueux Glenn Vielle, après avoir assisté au festival de Ramatuelle. Et si est-il dans une robe estivale au décolleté plongeant que Sophie Davant, la peau parfaitement bronzée, a pris la pose tout sourire auprès du célèbre chef, devenu juré dans Top Chef. Quel bel endroit! Vive Glenn Vielle, le chef talentueux de ce beau domaine Beaumanière, et Michel Hulin, autre chef magique du restaurant La Braco d'Or, a partagé l'animatrice d'affaires conclue en légende de ce beau cliché. L'ancienne épouse de Pierre Slade, également papa de son fils Nicolas, n'a pas manqué de faire un peu de publicité à sa fille. Retrouvez l'article de Valentine Slade dans le numéro 11 de S, le magazine de Sophie Davant, a-t-elle précisé. Une superbe demeure en Normandie à 26 ans, Valentine Slade tient le compte Instagram Slade et Poivre où elle partage ses coups de cœur culinaires. Et dans le magazine de sa mère, elle a pu écrire un article suite à son passage au célèbre Ma Beaumanière, au cœur des Alpilles, au pied des Baux de Provence. Elle a pu y rencontrer le chef Glenn Vielle mais aussi Michel Hulin, lorsqu'elle s'est rendue à la Cabro d'Or. Et comme sa mère, la fille de Pierre Slade et Sophie Davant fait déjà preuve d'une réelle passion. La relève est assurée.